Bonjour à toi, chers spectateurs, et parlons de Kill Your Friends, tout de même, de Owen Harris. L'histoire, c'est celle de Steven, un jeune garçon qui bosse dans une boîte de disques londonienne. On va le voir osciller entre ses amis, les femmes et ses collègues de travail, mais surtout, on va le voir essayer de faire renaître sa boîte de ses cendres, puisque elle a un peu enchaîné des contrats foirés, en essayant de trouver un groupe culte. Parce que nous sommes en 1997 et qu'en 1997, on oscille entre groupe culte et musique poubelle. Un pitch de base très intéressant pour une petite pépite de cinéma indépendant anglais tout de même. Parce que Kill Your Friends, malheureusement, est un petit peu trop survendu par des marketeurs français qui ne savent pas trop comment mettre en avant ce film, comme un American Psycho dans l'industrie de la musique londonienne. Et franchement, ça serait réduire ce film à un copier-coller alors que c'est bien plus que ça. Oui, les deux films ont des figures de psychopathes en tête. Plein d'autres films qui ont les mêmes figures en tête, mais ça ne fait pas de ces longs-métrages des plagiats de l'un ou de l'autre. Loin de là. Non, non, non. Kill Your Friends est vraiment un film à part entière et une sacrée pépite, quoi. C'est vraiment un film qui sort de nulle part, qu'on n'attendait pas du tout, qui est dynamique, qui est jouissif, qui est fun, qui est macabre, qui a un humour noir, mais qui fonctionne à merveille. Les fans de musique vont se régaler devant ce film, c'est absolument dingue. Non seulement le film a une BO qui dépote, mais il a des références au monde de la musique qui sont très 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 bien amenées. Ça, on va le voir dans le scénario, mais non, ce film est une vraie pépite, quoi. On ne s'attendait pas du tout à ça, et Owen Harris livre vraiment un long métrage qui sort totalement du lot, qui est totalement inattendu et qui est juste excellent. Vraiment excellent. Il n'y a quasi aucun reproche à faire à ce film. Tellement il enchaîne les bonnes idées et tellement il sait comment les amener pour faire en sorte que ça jalonne tout le film et pas simplement que ça soit concentré au début, au milieu ou à la fin et que le reste du temps on se fasse chier. Loin de là, c'est très 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 intelligent. Déjà, c'est très intelligent parce que le film est basé sur un roman de John Niven et c'est John Niven qui écrit le scénario. Donc c'est toujours intéressant lorsque l'auteur du roman adapte lui-même sa propre œuvre. Il y en a de moins en moins qui font ça. Ce qui est assez triste, mais là donc John Niven a voulu adapter lui-même son propre roman, et résultat, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il explose les barrières de son roman. C'est-à-dire que oui, sur le papier, un roman, c'est quelque chose de toujours intéressant. Et quand il est adapté au cinéma, on est quasiment sûr qu'il va y avoir toute une clique qui va se mettre en place et qui va dire j'ai préféré le livre, et une autre clique qui va dire ah j'ai préféré le film parce que je trouve que l'adaptation est bien. Là, l'avantage, c'est que ça va mettre tout le monde d'accord, puisque le scénario est signé par l'auteur du roman. Donc, ceux qui diront qu'ils ont préféré le livre, ça veut dire qu'ils n'aiment pas le travail de l'auteur, tout simplement. C'est un peu bête à dire, mais un auteur qui transpose lui-même son roman à l'écran, ça veut dire qu'il se réinterprète. Donc dans un sens, ça veut dire qu'il se comprend lui-même. Donc c'est toujours intéressant et ça permet d'avoir une lecture complètement différente de ce qu'on a pu avoir dans le bouquin. Et là, c'est complètement ça, quoi. C'est une lecture vraiment différente. C'est une lecture tout de même qui épouse des traits quand même très littéraires. Notamment la narration. La narration, donc, c'est l'idée que ce personnage va briser le quatrième mur constamment. C'est-à-dire qu'il y a une voix off, en narration off, donc c'est-à-dire une narration, voilà, c'est comme s'il nous parlait, on va dire, d'outre-tombe, comme s'il était déjà mort et qu'il avait un regard sur sa vie. Sauf que, on se dit ça au début, puis tout d'un coup, le personnage commence à nous regarder et à nous parler. Alors qu'il est supposé avoir son ami à côté de lui, donc ça voudrait dire que son ami devrait l'entendre, et il n'entend pas. C'est jouissif comme type de narration. C'est vraiment, vraiment jouissif. Ça fonctionne à merveille. Ça nous fait mourir de rire. Il y a un paquet de séquences qui sont à mourir de rire grâce à ça. Et résultat, ça apporte beaucoup de dynamisme à l'ensemble du film. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est la création de tous les personnages. Tous les personnages sont passionnants. Que ce soit le directeur artistique en chef, que ce soit le patron de la boîte de disques, que ce soit la secrétaire de Steven, que ce soit ses collègues, que ce soit ses amis. Tous les personnages sont vraiment extrêmement fins au niveau de l'écriture. C'est jouissif à voir. Et au-delà de ça, voilà, ce qui est dynamique, c'est l'humour noir, c'est les références musicales, c'est toute une idée qui fait en sorte que ce long métrage n'est pas juste un clin d'œil à l'industrie musicale des années 97. C'est bien plus que cela, c'est une réflexion autour de ça, et en plus, c'est un film qui dégage un cynisme constant, qui est jouissif, qui est à mourir de rire, et qui nous éclate en tant que spectateur. On adore voir ce personnage jubiler, et on adore le voir douter surtout. Au niveau de la mise en scène, c'est Owen Harris qui s'y colle. Alors, Owen Harris, c'est un réalisateur à la base de séries, notamment connu pour avoir réalisé des épisodes de Misfits et dernièrement de Black Mirror. Là, donc, c'est sa première réalisation cinéma. Et bien, pour une première réalisation cinéma, c'est excellent ce qu'il nous livre. C'est vraiment un film
Il n'y a rien à en redire. La mise en scène est dynamique. Elle a un rythme de série, mais elle n'a pas une esthétique de série. Il y a des mouvements de caméra dans ce film qui sont juste excellents. Et il y a une dynamique qui est folle, quoi. C'est-à-dire que le rythme du film, pour donner un ordre d'idée, c'est toujours quelque chose qui doit aller avec son ton, sa bande-son, etc. Là, ce qui est juste parfait, c'est que c'est un film sur l'industrie musicale. Donc, résultat, il y a bien plus qu'un simple montage musical. Oui, on a des montages qui sont faits en fonction du rythme de la musique. Mais Owen Harris joue avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, au contraire, le montage ne va rien avoir avec la musique qu'on entend en fond. Et ça permet, voilà, de faire des contrastes, de créer des dynamiques qui sont intéressantes, de créer des contre-pieds qui jouent avec le caractère du personnage et qui jouent avec l'ambiance qui entoure ce personnage. Et ça fonctionne à merveille. Il y a des sauts dans le temps qui sont très très bien amenés également de la part d'Owen Harris, qui permettent au récit de gagner en dynamique, là où s'il avait été uniquement linéaire dans sa structure narrative, ça aurait été plat et ça aurait pas eu forcément de rebond. Là, résultat, le film rebondit constamment sur ce qui vient de se passer ou sur ce qui va arriver, et ça permet au film d'avoir beaucoup de justesse. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le film, il se relance constamment. Il y a constamment des petites narrations ou des petits retournements qui vont faire que le récit va se remettre en route et pas simplement rebondir sur 2-3 éléments de narration qui ont pu avoir lieu et qui, voilà, permettent simplement au film de se remettre en route simplement. Là, vraiment, le récit se renouvelle. De la part d'Owen Harris, c'est vraiment extrêmement juste. Bon, évidemment, écoutez la bande originale elle est folle, elle est avec plein d'auteurs cultes des années 90, donc pas besoin de le préciser. Au niveau du casting, donc ce qui est intéressant, c'est que la tête d'affiche a été donnée à Nicolas Hoult. Et Nicolas Hoult, c'est un acteur caméléon exceptionnel. Là, il livre une performance qui est juste folle du début à la fin. Il est extraordinaire, il est fin, il est jouissif, il a mourir de rire, c'est parfait. Et au niveau du casting secondaire, ce qu'on retient vraiment, c'est Craig Roberts, James Corden, Georgia King et un petit peu Jim Peacock aussi, qui est très intéressant. Mais Georgia King, quand même, la révélation qui fonctionne vraiment bien dans le film. On la voit vraiment décoller au milieu du film, mais cette actrice-là, elle est exceptionnelle, elle est ultra hallucinante et il y a des scènes où elle est juste à mourir de rire. Donc voilà, vous l'aurez compris, Kill Your Friends, c'est une sacrée pépite qui sort de nulle part. C'est un film, si vous avez l'occasion de le voir, foncez le voir, parce que c'est vraiment à mourir de rire, c'est jouissif. C'est drôle, c'est noir, c'est macabre, c'est sanglant. Enfin, ça mélange plein de genres. C'est extrêmement bien fait, c'est superbement mis en scène. Et ça a des acteurs au top avec un Nicolas Hoult dingue en tête. Donc voilà, Kill Your Friends de Owen Harris. Foncez le voir en salle, c'est un immanquable du mois de novembre. Foncez, tout de suite. A plus!